Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui est assez attendue, du moins pour ma part. Donc bref, aujourd'hui je suis ici pour parler de la Jolie Box, qui est donc, si vous ne connaissez pas encore, on sait jamais, qui est en fait un concept venu donc de l'étranger, et qui en fait est le principe d'un abonnement. Donc ici c'est 10€ plus 3€ de frais de port par mois, donc ce qui fait 13€ par mois. Et en échange, vous recevez donc une box, c'est-à-dire une petite boîte, comme ceci, tous les mois dans votre boîte aux lettres, en général au début du mois, avec 5 produits miniatures format voyage. Donc ce sont des produits de beauté, ça peut être du maquillage, des soins, tout ce qui rentre dans la catégorie beauté. Pour ma part, j'ai choisi de m'abonner à Jolie Box pour la simple et bonne raison que les marques qu'ils proposent m'intéressent énormément. Ce sont des marques qu'on ne peut pas forcément toutes s'acheter, pour X raisons, et du coup je trouve ça sympa, le fait de pouvoir tester des produits qui sont à la base pour certains des produits de luxe, et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le format est vraiment très très correct, je vais vous le montrer. Et donc sans plus attendre, voici le packaging de la box. Donc en fait je pensais la recevoir comme ceci, et non, pas du tout. Je cache mon adresse, donc en fait je l'ai reçue dans une voilà, dans une boîte en carton, quoi, comme ça, avec écrit Jolie Box. Donc voilà, et à l'intérieur il y avait la très très attendue Jolie Box. Donc c'est comme ceci. Donc le packaging est très sobre, c'est vraiment très sobre. Donc c'est noir avec le logo Jolie Box, et c'est sobre mais à la fois très classe. On ouvre. Donc forcément j'ai déjà ouvert, donc le nœud est pas aussi beau que lorsque j'ai ouvert. Vous avez ceci avec un petit mot, et ensuite vous avez, tout est super bien emballé, c'est très soigné. C'était donc chaque box est faite et préparée à la main, donc ça je trouve ça vachement plus personnel, plus sympa en fait. Donc il y a un petit mot, et au dos vous avez la liste des produits qui font partie de la box. Ici, donc, lorsqu'on ouvre, voilà. Attention, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà les produits. Alors, quand j'ai ouvert, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'autre box que j'ai reçue, que vous connaissez toutes. Donc, je ne peux pas, quand j'ai ouvert déjà, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement entre l'autre de par la taille des miniatures. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça m'intéresse vraiment pas, mais quand j'ai vu ça j'ai dit waouh, ça c'est des miniatures taille voyage, et voilà quoi. Franchement on voit que Jolie Box ne se fiche pas de nous à ce niveau là, que ça a été vraiment un travail plus élaboré peut-être et plus étudié. Après voilà, je sais pas, je vais pas rentrer dans le débat, mais vous allez voir que c'est des miniatures format voyage et pas des échantillons entre guillemets que vous pouvez trouver peut-être plus facilement. Donc tout d'abord je vais faire dans l'ordre des petits cartons. Donc tout d'abord il y a le nettoyant Kraline H21 de Bioderma. Donc pas de chance, je l'avais déjà. Il y a deux produits de la box que j'ai déjà, mais franchement, je suis contente quoi. Ça ne me dérange pas du tout. Donc en fait, c'est la solution micellaire Bioderma, visage et yeux, donc qui nettoie, qui démaquille, enfin voilà, qui est un peu multi-usage. Donc c'est sous forme d'une petite bouteille comme ceci qui fait 100 ml. À la base, la bouteille originale gelée, elle fait 500 ml. Donc évidemment, ça fait une différence. Mais c'est une miniature format voyage. Voilà. Et vous en avez vraiment pas mal dedans, parce qu'il faut savoir qu'il en faut assez peu finalement. Et donc vu que j'ai eu la chance de pouvoir le tester avant, je peux vous dire que c'est un très très bon produit qui démaquille aussi bien qu'il ne nettoie. Donc qui est fait à la base pour les peaux sensibles. Mais enfin voilà, moi j'ai la peau grasse, donc j'utilise pour démaquiller, et il est vraiment très bien. Ensuite, nous avons la marque Carita Paris, le masque idéal hydratation Bendelagon, qui est comme ceci. Alors celui-ci, j'ai vraiment hâte de l'essayer, ils sont divinement bons.
Donc il fait 15 ml. Donc alors, celui-ci, donc c'est un masque pour le visage. Il a l'air vraiment très bien. J'ai hâte de l'essayer. Donc ils mettent pour une hydratation et un éclat instantané. Donc voilà, à laisser agir pendant 5 minutes et retirer l'excédent à l'aide de coton humide. Une à deux fois par semaine. Donc... Ah, mais l'odeur, ça sent trop bon. Je sais pas, ça sent un peu les produits solaires. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent un peu les produits solaires. Vous savez, les trucs sont vachement bons. Donc c'est sous forme de crème comme ceci. Ensuite, nous avons... Et là, c'est la grosse surprise de la box. Parce que franchement... vous allez voir. Dermalogica. Donc en fait, c'est une... un mini coffret format voyage, on va dire, le cube duo exfoliation. Donc le daily, vous avez le daily microfoliant que j'ai à la base, donc que je vous avais montré dans mes vidéos favoris. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à en parler, il avait fait pas mal parler en bien, beaucoup de bien même. Donc vous avez dedans le daily microfoliant, donc qui est un exfoliant quotidien et extra doux à base d'enzymes de riz pour une peau lisse éclatante. Et vous avez la Gentle Cream Exfoliant. Donc vous avez ces deux produits. Là. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez les deux produits. Déjà l'idée du coffret, je trouve ça vraiment sympa. D'autant plus que Dermalogica c'est une marque mais que j'aime énormément. Forcément j'ai comme produit donc... Je ne peux pas énormément juger, mais tous les avis sont bons et c'est une très bonne marque. Moi, depuis que j'utilise le Daily Microfoliant, j'ai vu une différence sur mon grain de peau. Donc, vous avez la miniature du Daily Microfoliant, qui est comme ceci. Celui-là, il fait 13 grammes et l'original fait 75 grammes. Donc, ben, en fait, c'est moitié. Moitié-moitié. Donc, ça, c'est l'original et ça, c'est le format miniature. Donc sachant que c'est un produit qui s'épuise assez lentement, puisqu'il en faut assez peu, c'est super pour commencer. Donc je pense que les personnes qui ont reçu cette box de juillet, vous n'allez pas être déçus. Parce que voilà, c'est comme ceci. Et donc dedans, vous avez l'exfoliant qui est sous forme de poudre, on va dire. Et vous en mettez un petit peu dans une main humide, vous massez jusqu'à que ça fasse une espèce de pâte. Et après, vous massez en mouvement circulaire sur votre visage pendant environ une minute. Et vous rincez. Et là, ça vous fait un gommage, enfin une exfoliation, mais très douce puisqu'elle peut s'utiliser quotidiennement. Donc voilà, et c'est un super produit, notamment pour affiner le grain de peau, resserrer les pores. Moi, je l'aime beaucoup et je suis très contente qu'il soit dans cette box parce qu'il mérite vraiment d'être connu en France. Et ensuite, toujours dans le pack, vous avez, alors ça je ne connaissais pas, c'est la Gentle Cream Exfoliant. Donc ici, vous avez l'exfoliant crème, qui est comme ceci. Donc, et enfin, vous avez celui-ci. Donc celui-ci, il fait 22 ml. Donc c'est vraiment très raisonnable, sachant qu'il est rempli à ras-bord. Et donc je pense que ça a l'air d'être un exfoliant, mais crème cette fois-ci. Donc voilà, les deux combinés, je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc Dermalogica, franchement vous avez deux produits Dermalogica, je trouve ça absolument génial. Ensuite, pour finir, les deux derniers produits. Alors, il y a celui-ci de la marque Filorga, qui est Isostructure Crème Absolue Fermeté. Le packaging est comme ça. Vraiment, on n'est pas du tout dans une gamme d'échantillons. Donc c'est vraiment le débat qui a fait surface, on va dire, avec l'arrivée des box. Et là, on n'est pas du tout dans une gamme d'échantillons que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. C'est vraiment des miniatures, je tiens vraiment à le dire. Je sais que je me répète, mais à chaque fois que je vois les produits, je me dis waouh quoi. Là, au moins, je regrette pas mes sous. Donc le packaging est comme ceci. Donc il est carré, assez sympa. Donc celui-ci fait 15 ml. Et c'est comme ceci, donc vous en avez vraiment pas mal du tout quoi, de produits. Donc ce produit, donc celui-ci, je ne connais pas du tout. Donc ils disent que c'est un soin réparateur aux puissants actifs redensifiants. Donc crème absolue fermentée jour. Donc, pareil, au niveau de l'odeur, mais
J'adore l'odeur. Ça sent vraiment très 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 bon. C'est un régal. Ça sent vraiment très bon. J'aime énormément. Par contre, je trouve que ça se ferme pas très bien. Ou alors, c'est moi qui ai un problème. Ça bloque un peu. Bon, ouais. Franchement, c'est un détail. Oups là. Et ensuite, dernier produit de la gamme, de la marque Fleur de Bac, de Bâche, je sais pas comment on dit, je connais pas du tout, qui est là. Alors ça, je trouve ça un produit vraiment très sympa. Ça change des autres produits que l'on peut trouver, car c'est un produit un petit peu multifonction, on va dire, et qui est très appréciable, notamment pour la saison qui arrive là, et pour le mois de juillet. Parce qu'en fait, il faut savoir, je pense que ça a été fait comme ça, du moins c'est ce qui me semble. Vu qu'on entre dans le mois de juillet, c'est ben, le soleil, la plage, tout ça, les départs en vacances. Et chaque produit a été élaboré pour avoir un grain de peau qui, comment dire, qui arrive à survivre au soleil, on va dire. En évitant un petit peu tous les désagréments que l'on peut connaître à cause du soleil, à savoir les coups de soleil, la peau qui pèle, comme moi, les petites irritations, les piqûres d'insectes, tout ça, bref. C'est une bonne sélection en fait pour ce mois-ci, je trouve. Donc, bref, donc c'est la crème urgence de. Voilà, la crème urgence. Alors, celle-ci, cette crème, donc le flacon fait 50 ml, comme ceci. Et cette crème, donc, calme et apaise après de petits accidents de la peau, tels que rasage, coup de soleil, piqûres, coupures, etc. Donc, je pense que c'est une crème à avoir tout le temps sur soi. Surtout maintenant, je trouve ça absolument génial. Au niveau des coups de soleil, des piqûres, tout ça, je trouve ça super. Voilà. Hop là. Donc là, c'est la crème qui est comme ceci. Donc pareil, ça sent vraiment bon, j'aime beaucoup. Et ça, c'est une crème que je vais garder et qui, si elle me plaît, que je vais racheter. D'autant plus que j'ai lu la. Parce qu'avec la box est livré un petit document sur cette marque où ils parlent un petit peu de leur marque, de comment ils élaborent leurs produits. Ils sont certifiés bio, car en fait toute la préparation des produits est artisanale. Et ça, je trouve ça Donc, si génial. vous avez la box de juillet, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce petit document et à le lire parce que moi, ça m'a donné encore plus envie d'essayer cette crème et j'ai hâte, je crois que j'ai jamais eu autant hâte de me faire piquer par un moustique ou d'avoir des coups de soleil, tout ça, pour voir si ça passe. Mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà les filles pour tous les produits et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est censé avoir 5 produits et là nous en avons 6. Parce qu'il y a celui-ci, 1, le fil Orga, 2. La solution micellaire Dermalogica 3. Le masque Carita 4. Et enfin, puisque nous avons le coffret Dermalogica, nous avons deux produits en plus. Donc ça fait 5 et 6. Donc on a 6 produits quand même. Et je trouve ça absolument super. D'autant plus que les formats sont pile poil comme ils doivent l'être en principe. C'est-à-dire un format voyage. Le seul bémol, si je devais en donner un, c'est que je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de produit un petit peu make-up. Mais en fin de compte, je trouve ça pas mal d'essayer les produits soins, d'autant plus qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Chaque produit a une action spécifique et ça, je trouve ça absolument super, surtout pour cette saison. Donc, bah, écoutez, voilà pour ma revue Jolie Box. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ravie de m'être Donc, vous abonnée. avez le choix entre vous abonner mensuellement, c'est-à-dire tous les mois, soit il y a l'abonnement annuel. Donc, vous payez un montant à l'année et vous recevez vos box chaque mois, sachant que dans l'abonnement annuel, vous avez deux box offertes. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai pris l'abonnement annuel. Comme ça, je suis tranquille pour l'année et d'autant plus que je ne regrette pas du tout, j'avais peur d'être déçue et en fait pas du tout parce que déjà rien que je vous invite à jeter un coup d'œil sur les sites Jolie Box dans la rubrique marque, vous allez voir ils ont tout un tas de partenariats de marques différentes et absolument génial. C'est assez rare Oui. qu'on ait quelque chose d'aussi bien en France, d'habitude c'est plutôt à l'étranger, donc là j'allais pas me priver, d'autant plus que ce sont des produits
qui est difficile de se procurer. Je pense notamment aux produits Dermalogica. C'est vraiment des produits, de bons produits. Tant que vous voyez, là je regarde partout sur tous les produits et il n'y a pas un seul produit où il y a écrit vous savez, attention, échantillon ne peut être vendu. Ce qui était le cas la dernière fois. Voilà, je vais pas m'étendre. Là, pas une fois c'est écrit, donc c'est assez appréciable. Ce sont de vrais produits, donc si vous avez quelques doutes à propos de Jolie Box, je vous invite fortement à vous abonner si ça vous tente, parce que 13€ par mois, finalement, c'est pas grand chose, sachant que la préparation est vraiment très soignée et les produits sont de qualité, mais vraiment de qualité. Et ils se fichent pas du tout de nous au niveau du format et de la sélection. Donc ça, je trouve ça hyper génial. Bref, vous l'avez compris, je suis totalement emballée par Jolie Box. Voilà, je vous fais à toutes de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye!